Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être fidèles au poste. Côté que vous rejoignez nous pour nous présenter un programme dans l'Ancol haïtien. Jeudi, c'est jeudi 20 juin 2024. Moi, c'est Jacques Lebelizer. Quelques grands points cap dominé actualité. D'Haïti, d'après un arrêté qui sortit hier mercredi 19 juin 2024, là, Normil Rameau remplacé Franz LB dans tête police nationale là comme directeur AI. Actualité internationale, après un contrat à Corée du Nord, président russe Vladimir Poutine signe un accord avec pays Vietnam. Et puis jeudi 20 juin, c'est journée mondiale réfugiés et thème pour année ça, c'est pour un monde qui accueille moun réfugié. C'est point ça yo, avec l'autre quoi nous va le développer pour dans un petit moment, mais actualité maintenant nous d'abord dans pays d'Haïti, puis précisément dans capitale là côté que bataille contre corruption dans administration publique là, sécurité. C'est quelques parmi thématiques pour les ministres haïtiens et Gary Conné et certains membres du gouvernement. Eh bien, ils ont abordé pendant une réunion que vous avez et avec objectif pour que transition ça réussisse. Nous restons sur place dans Port-au-Prince, correspondant nous, Yves Manuel. Premier ministre haïtien, Dr. Gary Conné, organisé une réunion de travail avec certains ministres dans le gouvernement et organismes déconcentrés, tant que ULCC, dans l'idée pour capable aborder réussite transition. Gary Conné entend faire de bataille contre corruption, une cheval bataille. Nous allons développer une feuille de route nationale de lutte contre la corruption pour chaque institution de contrôle. 30% du personnel de l'État a touché alors que il n'y a pas là. Premier ministre a annoncé des dispositions pour capable corriger la situation. En même temps, chef gouvernement dit l'a interdit administration publique là mettait en place des systèmes pour collecter l'argent alors que y a pas gain droit pour ça. Déjà m'apprendre moins compte que jusqu'à 30% de personnel l'état a touché l'état comme l'état et pourtant y a pas en fonction, y a pas là. Ça c'est des bagages que n'a pas obligé corriger immédiatement et nous va prendre des dispositions pour nous corriger. Un cadre que déjà nous trouvons certains abus dans certains domaines bien spécifiques dans lesquels, sur lesquels nous croyons que nous avons agi immédiatement. Nous engageons par exemple pour nous prendre des dispositions rapides sur question de transparence. Nous allons faire des suivis immédiats pour que implication population, compréhension population, là, ça n'a fait, comment on a fait, pour qui ça n'a fait, nous avons garanti ça. Dans ce qui concerne le volet sécurité, le chef gouvernement a annoncé disposition pour le prendre. Pour capable bailler satisfaction et permettre population vaquer librement à occupation. Nous apprenons tout que n'a pas avancé soit fait sécurité hein? Nous fait plusieurs rencontres en ce sens, on met en place les dispositions qu'il prend pour que qu'il faut pour que rapidement nous commencer bailler population satisfaction sur tout ça. Semaine de mai, vendredi, samedi, tout gouvernement a fait 2 jours de retraite pour nous réfléchir sous feuille de route action concrète qui consistant avec accord là qui permettent nous exactement côté pour aller sous les grands chantiers. Gary Conné fait réunion ça dans cadre suivi annonce qui était fait côté Douégon l'état qui reflétait dignité population haïtienne résilience li ak générosité. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et puis, il y a une grosse décision que le gouvernement prend, c'est Franz LB, qui n'est pas directeur police nationale là encore, c'est Normil Rameau, qui lui-même, c'est nouveau PDG, PNH, DG et AI. Et puis, je dis à ces journées mondiales réfugiés et thème que vous avez retenu pour Anessa, c'est pour un monde qui accueille réfugiés. Et c'est dans un moment ça, dans l'occasion ça, que eh ben groupe d'appui rapatrié à réfugiés GAR présenté un bilan sous autorité dominicaine qui voyait tourner en Haïti plus passer 60 000 haïtiens dans le mois de mai 2024 là, d'après bilan ça, un reportage Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Chaque année, 20 juin, c'est journée mondiale réfugiés, occasion pour saluer force et courage tout le monde qui forçait abandonner pays d'origine pour sauver en bas conflit ou bien persécution. Thème qui kembe pour l'année 2024 là, c'est pour un monde qui accueille des réfugiés. Pour marquer date ça, en Haïti, responsable communication groupe d'appui rapatrié à réfugiés GAR, Sam Guillaume, critiqué, dénoncé l'État haïtien Lydie qui ne prend aucune mesure nécessaire pour protéger vie et bien citoyens qui souvent fuient pays d'Haïti à cause de problèmes ça. Sam Guillaume dit, République dominicaine pour mois mai 2024 là,
voyait tourner en Haïti environ 60 000 Haïtiens. Parmi eux, il y a 1865 garçons, 1342 femmes, 409 petites filles et 597 petits garçons. Au total, nous gagnons 6841 personnes qui ont refoulé sous frontière. Nous recensons un total de 170 femmes enceintes qui ont rapatrié, gagnons 692 et femmes enceintes qui retournaient pour compte payo et gagnons 331 femmes enceintes qui ont refoulé. Nous recensons et ça fait au total de 1193 femmes enceintes qui retournaient dans le pays au mois mai 2024 là. Nous gagnons tout un total de 674 timoun qui pas accompagné avec parents yo que yo rapatrié. Sam Guillaume souhaitait autorité haïtienne yo prendre décision appropriée pour capable créer bonne condition qui permettre moun vivre sans problème en Haïti. Gavle adressé spécialement ak nouveau gouvernement tout neuf ça qui monté dans pays a pour joindre une solution à problème insécurité a pour toute famille qui gagne dans quatre coins pays a capable de reconstituer et puis retourner la caillou. Faut gagner mesi qui prend pour accompagner famille qui plus vulnérable. Si là ou qui perdit tout ça ou te gagné caille, économie, business, document important et même moun qui cher pour yo à cause violence nèg exam yo. Faut yo joindre accompagnement dans l'état pour yo capable recamper tête yo et puis continuer à projet la vie. Ga encourager tout pays à travers le monde là pour yo solidaire ak, et puis mande autorités compétentes yo chercher résoudre conflit qui gen la caille. Ou en tout ça pour VOA Creole, Port-au-Prince. Donc thème nan c'est pour yon monde qui accueille moun réfugié et gran pile raison qui fait que moun réfugié question de violence, question de guerre et l'autre encore et faut dire que c'était en 2000 que l'Assemblée générale des Nations Unies te prend décision. Ça, nous allons rejoindre Valérie Saint-Louis depuis New York. D'après Nations Unies, la guerre dans le pays Soudan a déclenché une pire gros crise de déplacement réfugiés sous planète là. La guerre ça a été pété dans le mois avril 2023 entre deux générales rivales. Elle était poussé déplacement presque 10 millions de monde en dedans pays là et puis il était forcé plus passer 2 millions de monde jeté pour lieu à chercher sécurité dans pays voisin. Haut commissionnaire Nations Unies pour réfugiés, Filippo Grandi, t'es rencontré quelques dans monde ça qui était déplacé semaine ça dans côte-ci, dans partie du pays Soudan. They're fleeing a horrible violence. Yo obligé sauver en bas violence terrible, violation droit moun qui grave en pile, mais de plus en plus, yo même tout yo obligé sauver en bas dépravation, ak en particulier en sécurité alimentaire, avec nan ke ka grand goût, qui donc ou gen plusieurs facteurs qui clairement produit par la guerre fou ça qui semblait pas fini. Nan sit Soudan, agence réfugiés de la Nations Unies yo ap travail pour aider yo, mais aide humanitaire c'est seulement une solution à court terme, la paix c'est ça qui nécessaire. My appeal is really to everybody who has any influence on the parties in this conflict. Appel moi c'est réellement pour tout monde qui gagne n'importe influence sous parti par eux dans conflit ça. C'est pas pousser dans direction champ de bataille là mais plutôt sous table négociation. De l'autre côté dans continent africain effet crise climatique là la cause déplacement, li force moun yo déplacer surtout les crises yo makone à conflit. And there what happens is that climate becomes a cause of conflict. Et puis là, ça qui passait, c'est que le climat a venu cause conflit. Il a empêché communauté qui très pauvre arriver vivre ensemble avec ressources de base. L'eau, par exemple. Communauté a commencé à goumer entre eux et ça la cause déplacement. Globalement, quantité de monde qui déplacé, réfugiés et monde qui a cherché asile, yo augmenté pendant 12 dernières années qui sont passées là, arrivé à 120 millions de monde. Pays Ukraine, pays la Syrie et pays Afghanistan représentaient une petite classe plus passée, moitié dans tout le monde ça, qui forcé déplacer. Tragic progression. We just continue. If at least some of these conflicts are not resolved. Pour question tragique, ça pourrait juste continuer si au moins quelques conflits ça yon pas résoudre et puis conditions pour moun retourner yon rétabli. C'est ça qui est toujours plus bon solution et c'est ça qui gros défi a. Filippo Grandi, au commissionnaire des Nations Unies pour réfugiés, avait dit que le bral très difficile pour un monde qui de plus en plus divisé arrivait faire face à défi mondial ça yon cap grandi. N'a pas rappelé que date 20 juin, c'est journée mondiale réfugiés. Assemblée générale des Nations Unies a désigné date ça dans l'année 2001 yon façon pour rappeler monde là que plusieurs millions de monde forcés quitter puis à le réfugier l'autre côté. Margaret Bisher pour VOA News dans les Nations Unies. Adaptation créole, Valerio Saint-Louis pour VOA Creole depuis New York.
Merci Valério Saint-Louis et bon retour. Et en parlant de réfugiés, Brésil, c'est un pays qui accueille un paquet professionnel haïtien qui, je ne jodi, a trouvé sur le marché du travail. Nous allons rejoindre Chesley Jean-Baptiste depuis Brésil. Moi, j'ai une chance de faire administration dans l'Université fédérale. Pour l'instant, comme activité professionnelle, moi, c'est banquier. Je travaille dans la banque. Nous capable di Roussel Serilia, c'est un parmi haïtien qui travaille pour vendre l'autre image de Haïti dans pays Brésil. Roussel rivé Brésil dans l'année 2013. Dans une interview avec Véroa Créole, Roussel Serilia expliquait même Jacques en pile immigrant, il connaît un pile moment difficile avant même l'arrivée joindre une stabilité. En fait, vin Brésil, m'étais sorti en Haïti, moi formé en économie, m'étais gain tant d'expérience dans ONG, c'était des jobs que m'étais arrivé faire dans cadre ça relé cadre organisation des jobs quand même bon responsabilité un degré qui était très haut. Je l'aime venir au Brésil, moi venir recommencer, moi commencer dans un niveau qui très bas. Moi passer dans un niveau non entreprise côté qui c'était construction civile, là me fait 2 mois. Ensuite, moi fait un cours soudu et c'est de là que m'a pris entrer dans l'autre entreprise qui sont entreprise métallurgie côté me fait 4 ans et demi dans partie question soudu. Et c'est de là étant, j'ai deux cours techniques, j'ai fait 4 ans dans l'école, j'ai formé en électromécanique industrielle, électronique industrielle, et puis après, j'ai pris une décision de continuer. J'ai rentré à l'Université fédérale de Paraná en 2019. Et c'est de là, j'ai eu une chance de faire stage, Fondo, l'entreprise qui est Utcherry, qui est une plus grosse agence de publicité dans la partie média marketing digital. Et après, je devine prendre une décision, je senti que je n'ai pas aimé marketing. Et puis, je choisis de travailler dans la finance. Pour me entrer dans la banque, c'est concours. Et forme de sincèrement, je participé dans le concours ensemble avec quelques Brésiliens. Je t'ai pris 5. Je fais partie de 5 personnes qui étaient passées. Mais c'était pas facile parce que l'heure où utiliser une langue comme langue auxiliaire, toujours une lacune. Toujours une lacune, surtout dans un niveau supérieur. Donc, elle travaille comme analyste. Pour ça qui concerne l'évolution de la communauté haïtienne au Brésil, Roussel Serilia dénonce une série haïtienne qui regroupe sous forme association avec organisation pour défendre l'intérêt personnel pour utiliser les immigrants haïtiens. Donc, moi-même, je fais partie de monde qui croit dans leur paradigme, qui croit dans un paradigme qui veut dire nous avons nécessité en tant que une génération qui immigre dans le pays pour nous institutionnaliser la présence nous et professionnaliser l'action. Nous. Mais c'est pas dans le contexte mendicité ça. Non, l'autre contexte côté, nous mettons autodétermination au milieu. Nous montons projet nous autodéterminer, nous autofinancer projet nous et puis nous faisons une association entre nous, pas nous-mêmes pour nous-mêmes. Nous sommes ça, au CEL Serilia, lancer un appel by chaque haïtien pour mettre ensemble. Chesley Jean-Baptiste, VOA Créole, Curitiba, Paraná. N'a pas été toujours dans le même esprit, journée mondiale réfugiée, au côté que nous pourrions parler de programme qui est les paroles in place là. Ici, aux États-Unis, que président Joe Biden t'a annoncé ça pas bien longtemps là. C'est comme ça, avocat immigration et dit, et la guerre, lui-même, lui mandé immigration qui, aux États-Unis, pour y chercher qu'on ait critère en vent pour éviter confusion. Et nous allons rejoindre Luxon Saint-Ville qui lui-même est rentré en contact avec l'avocat immigration Eddie Laguerre. C'est un mesi, mais Eddie Laguerre rappelé qui annonçait depuis quelques jours Parole in Place, un programme qui était là déjà, mais qui est là, Jikounia, sous l'autre catégorie, immigrant. Programme ça, dire le Parole in Place, il était déjà là pour les gens qui sont famille. Moun ki nan militaire aux États-Unis, qui nan l'armée américaine, li te déjà là pour yo. Mais quand y a là, li l'ouvril, ba on l'autre catégorie moun. Par rapport à quel content décision ça provoque, avocat immigration vle adresser la communauté haïtienne nan pou di yo, ki moun ki éligible pour programme ça. Fok, pour un moun bénéficier de programme ça, ou te rentré aux États-Unis sans que ou pas de gagne ou admission normale, sans que ou pas de gagne sous nan passeport bien forme I-94, ou pas de gagne parole, ou pas de gagne rien, l'autre te rentré. Ça c'est yon. Deuxièmement, faut que ou gagne 10 ans depuis ou vive aux États-Unis physiquement présent aux États-Unis avant date 17 juin 2024. Et puis en dernier lieu, faut que moun sa li légalement marié à un citoyen américain dans date 17 juin 2024. Comment ça pral dérouler, qui j'ai intéressé ou capable faire application
mette dit la guerre a retourné sous ensemble avantage programme nan. On sa capable appliquer pour une parole sous place, si m'ta mettel en créole, mon sa fait une application et l'elle fait application ça y a bal en mion statut légal pendant 3 ans et statut ça a venir avec forme que le pas gagne l'aide la matériel qui c'est forme I-94 là. Forme I-94 lorsque mon sa vient donc la vigne ça a besoin pour capable ajuster statut. Et pendant ça y a balon statut pendant 3 ans, pendant 3 ans ça a gagné 4 travail et s'il était gagné en caisse déportation dans tribunal, il y a permettre que les protéger par rapport à qui ça veut dire comment depuis fermer que ça même parce que justement les si un monde qui gagne parole et les protéger contre déportation et au bout de 3 ans ça ou bien pendant une période de 3 ans ça il capable continuer chercher ajuster statut. C'est pas seul l'immigrant illégal qui gagne 10 ans sous territoire qui pourrait bénéficier programme ça seulement. C'est un américain capable à la fois font pétition pour parents qui c'est mari ou bien madame citoyen américain hein, et puis le capable faire pétition séparée pour petite monde que le mari avec lui a qui c'est pétition qu'on fait pour beau fils et belle fille. Ça veut dire dans le programme parole in place là petit monde ça yo il est capable aussi bénéficier de lui yo même yo pas obligé gain 10 ans depuis à vivre dans pays a mais faut que tu aies déjà gagné une relation beau fils belle fille avec monde qui sont américains depuis avant date 17 juin. En attendant USCIS by détail sur qui les a commencé à recevoir application yo, combien cob l'a coûté. Avocat Eddie Laguerre conseillait tout immigrant pour pas al courir marié à qui un citoyen américain kounya pour yo ka bénéficier parce que date pour yo te fait ça déjà passé. Depuis Miami, l'état Floride. Luxon Saint-Ville pour VOA Creole. Ou toujours sous VOA Creole, on suit un programme dans la langue créole haïtien. Pas déplacé. Actualité internationale là, dans un petit moment. On va suivre rendez-vous info sous VOA Creole. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer autant qu'on t'a annoncé n'a pas entré dans l'actualité internationale là après une visite de 2 jours dans Corée du Nord, président russe Vladimir Poutine voyager Vietnam côté il fait chantier t'attendez acte Kylie. Sandra Lemaire, gain détail. Président russe Vladimir Poutine fait chita attendre avec président vietnamien Tô Lam dans Hanoï jeudi dans cadre d'une visite d'état la fait dans pays ça côté l'a chercher renforcer lien li avec pays amis. Lidila Wissi mettait en pile importance dans la question qui gagne rapport à renforcer le lien nous à pays amis nous depuis longtemps dans le cadre relations et stratégies compréhensives à partenariat et stratégique et relations saillot continuer développer progressivement dans l'esprit égalité à respect une pour l'autre et puis considération pour intérêt chaque pays. Commentaire Poutine Yovini après un échange à corps coopération entre responsables russes et vietnamiens. Visite d'État leader russe là a fait dans moment côté Moscou a fait face avec plus isolement international à cause d'actions militaires liées dans Ukraine. Pendant ce temps, Corée du Sud exprimait inquiétude li vis-à-vis accord rival li Corée du Nord soutien avec la Russie. Chang Ho-jin, c'est directeur sécurité nationale Corée du Sud. Les gouvernements exprimaient gros casse-tête et condamné Corée du Nord avec la Russie pour renforcement lien économique à coopération militaire qui détaillait dans accord et stratégie compréhensif au soutien. Président Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, publié une déclaration côté les condamné accord à tout, que li dit li considéré tant qu'une menace pour sécurité pays li, à qui une violation résolution Conseil sécurité Nations Unies. Il avertit sa parle d'une conséquence négative sous relation entre Séoul avec Moscou. Un responsable bureau présidence là parlait avec Associated Press sous condition pour yo pas citer non li et puis li dit que li possible que Corée du Sud a reconsidéré question fourni Ukraine zam pour aider le repousser invasion russe là. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington.
Et puis qu'on a actualité appelé nous dans la région Moyen-Orient, côté secrétaire d'État américain Anthony Blinken, fait connaître que l'administration Washington a travaillé pour combler vide qui gagnait dans l'accord cessez-le-feu Israël-Hamas là, après militaire a fait nouveau exigence. Jean-Aubert Philippe Capsule pour nous de très près situation. Jean-Aubert, eh ben, annonce a fait dans le moment que l'armée israélienne fait les difficiles pour détruire Hamas. Oui, son déclaration pour montrer vraiment si difficile gagner entre, en fait, c'est pour la première fois qu'elle prend la rue, entre l'armée avec le gouvernement. L'armée a fait connaître que c'est très difficile pour détruire les militants Hamas, tant que gens et le gouvernement veut faire comprendre qu'il dit qu'il s'est trompé, il a trompé le peuple. Force israélienne a tiré coup de mortier dans la centrale territoire Gaza dans la nuit mercredi pour arriver jeudi, côté autoyer, trois monde pour Bibiti et blessé plusieurs douzaines d'autres. Force israélienne a concentré attaque sur deux fronts, dans Rafah, dans le sud territoire Gaza, avec dans l'entour de Al-Bala, qui est même dans son territoire. Dans le moment, guerre a rentré dans plus passé huitième mois. Jeudi 20 juin, l'autorité palestinienne a libéré 33 Palestiniens qui ont été arrêtés pendant un mois qui passait dans le territoire Gaza. Pendant ce temps, pas un signe qui montrait une crampée dans la bataille-là. J'ai fort médiateur international, lui, avec support États-Unis, pas arrivé à convaincre Israël avec Hamas pour mettre d'accord sur un accord cessez-le-feu. Tellement vrai, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, qui a accueilli le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, dans la semaine dernière, a déclaré que les États-Unis toujours à PC comblé vide dans ce cessez-le-feu Gaza après Hamas ajouté de nouveaux conditions à quoi. Hamas came back. With, after Hamas vient avec yes, nouveaux propositions, nouveaux demandes, nouveaux conditions avec demandes yeah, qui allaient plus loin que propositions qui étaient déjà acceptées. Donc, notre travail pourrait, si nous sommes capables de combler vide là. Nous, un département d'État a ajouté, l'administration continue à préviser livraison, cargaison, bombe, 2000 livres qui étaient doués aller en Israël à cause d'inquiétude de gain pour bien-être palestinien qui vivent dans le territoire Gaza. Secretary Blinken assured me that the administration is working day and night to remove these bombs. Monsieur Blinken fait bali assurance que l'administration a travaillé pour annuler les restrictions sur livraison d'armes pour Israël. Une décision chez le gouvernement israélien considéré qui est inconcevable après l'administration a bloqué livraison d'armes avec munitions pour Israël depuis le mois qui passait. Pendant ce temps, le journal américain The Wall Street Journal publie un article côté de rapporter une faille qui gagne entre Premier ministre Benjamin Netanyahu avec le leadership militaire qui commence à prendre la rue après déclaration porte-parole de l'armée Daniel Agaïfen dans une chaîne de télévision mercredi soir pour dire objectif Premier ministre à poursuivre pour détruire Hamas dans le territoire Gaza irréalisable. Pour pouvoir l'ajouter, idée qui voulait faire comprendre, non capable de détruire Hamas ou bien disparaître groupe-là, à tromper le public-là. En réponse, le bureau premier ministre-là a publié une déclaration pour dire, cabinet sécurité premier ministre-là a dirigé à, gain pour objectif destruction capacité militaire Hamas à capacité pour diriger territoire. Faut défense israélienne, IDF, te prend engagement pour réaliser objectif-là. Premier ministre Benjamin Netanyahu a déjà rejeté une série de propositions tant qu'alternative possible pour remplacer Hamas tant qu'au plan États-Unis pour retourner avec autorité palestinienne à Karad dans un gouvernement unité nationale palestinien qui a gagné la donne Hamas. Quelques analystes militaires questionnés si oui ou non installer un nouveau gouvernement dans le territoire Gaza a bien possible étant donné Hamas réussit à survivre une série d'attaques militaires israéliennes. Jovel Philippe, VOA Creole, Washington. Et puis toujours dans l'actualité internationale, il y a un policier dans le pays Kenya qui écrasé à camion de l'eau et gaz lacrymogène. Il y a une manifestation pour contre augmentation de taxes. Gentil Augustin Junior, un détail. Niage gaz lacrymogène te plein la rue dans district financier capital Kenya pendant officier yo tap essayé bloquer chez même manifestant yo qui tap essayé river dans building parlement dans l'autre gros ville tankou Nyeri, Nakuru, Eldoret ak Kisumu. Manifestant yo te kembe pancarte qui gen slogan tankou nous di non ak dictature économique pendant yo te mande législateur yo pour yo retirer loi finance controversé. Nous pas nier que gen bagay yo changé dans projet loi finance là. Mais jan mwen te comprendre li, yo te retiré sou youn, yal ajouté le sou yon l'autre. Alors, jodi a ki jan yo taxé yon paysan ki gen cancer? Ki jan yo taxé yon paysan ki gen diabète?
nous pas y menen point ça. Ça trop. Manifestant yo di proposition augmentation taxe sou atik tankou propriété machine, pain, l'huile pour cuite manger ak transaction financière yo pral mette plus pression sou Kenyan yo ki déjà gen gros difficulté ak kou la vie. And the reason I'm here today. Raison ki fè mwen isi la jodi a, c'est parce que mwen kwè ke yon pati nan taxe ki te inclus nan projet loi finance lan pa gen sens. Bataille isolée te pété nan Nairobi entre manifestants ak policiers qui te utilisé gaz lacrymogène ak canon de l'eau contre manifestants qui te rassemblé tout près parlement qui te commencé débat sous projet loi mercredi. Malgré gros présence policier ak barrage qui te metté sous plusieurs routes qui menaient dans parlement, plusieurs centaines manifestants te rassemblé en groupe. Yo tap soufflé sifflet ak vouvou selas, yo te kembe pankat et yo tap chante. Routo doué ale. Mwen pense ke li lè pou Kenya change. Paske yo te abitye ak paran nou yo ki pa jam kesyone yo. Paran nou yo te pe yo. Nou pa pe yo. Nou gen konstitisyon. Nou bezwen zot respekte li. Nou pa mande an yen fou. Yon sous parlementaire te di AFP ke yo te espere yon vote sous proposition yo nan date 27 juin kap vini la 3 jours avant date limite pour adoption loi. Kenya se yon nan ekonomi ki pi dynamique nan Afrique l'Est la. Mais un tiers nan 51.5 million moun ni yo ap viv nan pauvreté. Janti Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Merci Augustin Junior, nous pral parler boule. Et puis à soir c'est Copa América avec ouverture qui gagne aujourd'hui. Marie Sophonie lui pral dire nous plus. Yo été riche en compétition football. Si dans moment n'a parlé là, Coupe d'Europe a déroulé dans pays Allemagne, et bien nous même nous en direct dans pays États-Unis. Plus précisément dans la ville Atlanta pour nous porter pour le match inaugural 48e édition Copa América. C'est pour deuxième fois dans l'histoire compétition ça l'a joué dans le pays États-Unis. N'a rappelé première fois c'était en 2016 dans le cadre 100e anniversaire compétition ça et Haïti t'a une chance participer dans centenario. Malheureusement Anessa, Haïti pa fè pati 6 pays qui sorti nan CONCACAF la qui pral gè pour troke kon yo ak 10 lot qui sorti nan Amérique du Sud la. Sorti 20 juin pour rive 14 juillet 2024 Anessa. En pile nan nou a pose tête une question pour qui sa compétition sa, c'est nan pays États-Unis li ap jwe. Eh bien, pays l'Équateur qui te gè pour responsabilité organiser compétition sa, ta pral décliner en novembre 2023 ça qui t'a pral faciliter États-Unis comme yon pays qui a émergé dans zafè football pour jouer une chance et legacy de Alejandro Dominguez paraguayen qui c'est président CONMEBOL là pour organiser 48e édition ça. Chaque fois compétition arrivé en Amérique, li changer format. Format qui était là en 2016 là, li retourné encore en 2024. Si en 2021, on équipe te gen chance pour jouer tout prochain yo comme meilleur troisième, eh bien année ça pas gen meilleur troisième. C'est deux. Donc rendez-vous c'est Asoya dans match inaugural là et ben n'a bien pour nous monsieur Messi Asoya parce que Argentine a joué contre Canada et nous connaît que gon bouillon boule là tout en Europe donc moun qui aime football yo et ben yo gâté avec deux gros compétitions ça yo yon en Europe et puis yon en Amérique. Et c'est là nous mettez fin dans le programme aujourd'hui. Et bien c'est ton plaisir, comme d'habitude, pour nous te servir. Donc rendez-vous, c'est pour demain, 4h, pour un autre rendez-vous info. Bonsoir tout le monde, moi c'est Jacques Lambélizère. C'est d'accord, c'est Ramon Normil qui va remplacer France LB dans la police. Et conseil ministre a organisé jeudi mercredi, qui c'était 19 juin 2024. Ils ont accepté, ils ont d'accord.
pour que Ramon Ormil vienne déchirer la police. Non. N'a pas rappelé. Ça fait pour une deuxième fois que Ramon Ormil va diriger la police nationale d'Haïti. Après que le TFIN passé comme directeur central de la police judiciaire, directeur central de la police judiciaire qu'il était passé, et par la suite en 2020, président Jovenel Moïse a choisi comme directeur général de la police, et notre bouche l'ouvrit qu'il était gagné avec Joseph Jout parce que mayonnaise n'a pas passé. Jout a pris une décision pour évoquer parce que Jout a dit que Rameau pas compétent. C'est ça qu'il t'a dit. Et alors que l'idée clairement dit tout, que DG Rameau, dans l'époque, on t'a demandé le matériel pour qu'il t'a mené bataille contre question de Diaméo. Est-ce que matériel que Rameau pas de jouer, ça t'a fait pas qu'à résultat? Ou dis-moi, est-ce que t'es qu'on le problème que nous pas de connaît? En tout cas, nous pas de connaît qui sait vraiment qui était à la base révocation là. Si nous d'achita sous ajouté Dio, nous te qu'à dire ces problèmes incompétents. Si on s'ajoute à vous les comprendre. Mais qui est mon qui a posé question, qui est mon qui pensait à qu'il y a l'autre problème qui était existé entre PM Jout et puis Ramon Ormil. Comme nous-mêmes, nous pas dans le secret d'État, nous pas qu'à connaître exactement ça qui était existé comme problème. Mais en pile voix levée, qui est d'accord, qui est accepté, retourner à mon homme la police, mais en même temps, tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, nous allons regarder. C'est ça que je connais. Ramon Ormil, comme un technicien que lié, et si je ne me trompe pas, qui fait partie de la quatrième promotion de la police, non. C'est un mec qui connaît la police très bien. Et c'est un franc technicien. Si que je dis là, li accepter reprendre job ça pour une deuxième fois, c'est parce que moi pense elle était quoi que la cabaye résultat ou dis-moi ce que y a pas le moyen pour que li capable bay résultat. C'est ça qu'on peut mon penser. Et n'a dit clairement que Ramon Ormil qui s'est pris le nouveau déchet la police à très bientôt. Parce que, n'apprendre que arrêter cap nommé Ramon Ormil, l'état de sorti mercredi, n'a pas souhait. Et jeudi, ça, yo t'a dû prendre disposition pour installer Ramon Ormil comme nouveau déchet de la police, là. Ramon Ormil, prêle ensemble de moyens adéquats dans mail, selon ça que nous apprenons. Et pour que l'y capable mener bataille, ça. Et pas oublier, moi, dis-nous ça. Obligation fait avec Ramon Ormil. Chaîne commande de la police, ou état-major la meilleure, conseil présidentiel, non. Et gouvernement, conseil et présidentiel, non. Ensemble, toute autorité sa yo, qui obligation pour capable de résultat, d'établir sécurité et permettre que la vie capable de fonctionner dans le pays. Et je dis, haïtien dans le pays, haïtien qui dans la diaspora, il y a tout le seul bagage qui attend, c'est sécurité. C'est la paix en nos pays. Paix capable de fonctionner. Et pour que en pile n'est capable de rentrer la caillou. Et pour que exploiter chaîne, non. C'est pas quitter Haïti. Elle pense que c'est États-Unis, c'est Canada, c'est la France, c'est l'autre côté. Il y a joué une solution. Alors que, si des conditions qui créent en Haïti, il y a capable de vivre dans le pays d'Haïti. C'est ça qui a besoin. Et ça qui a demandé. Je dis, tout secteur, tout acteur, tout groupe organisé doit comprendre que c'est une nécessité. C'est une obligation à eux-mêmes pour que ils prennent toute disposition pour permettre que sécurité la paix établie dans le pays. Et ça nous clair avec lui et ça nous sûr de lui des yeux. Je dis, est-ce qu'on est capable de continuer à compter sur question Kenya? Bien que qu'on délégation au niveau de la police, qui trouvait dans Nairobi, dans le pays Kenya, mais je dis, nous pas qu'à apprêter tant aux questions Kenya. Nous pas capable d'apprêter tant aux questions de mission. Pour l'équipe qu'il a en place, non, dégager le coup de Jean-Jacques, bail moyen et permettre que la sécurité qui établit dans le pays. Nous clés sous ça. Pour la vie capable de reprendre. Désir comment les mon frère.
Ben, situation, non, c'est tout un plaisir. Nous comptons rejoindre qu'on n'est pas en forme en dedans pays par rapport avec situation qu'on a connu. Je ne veux dire qu'il m'en au moins qu'il continue à garder, à analyser, permettre à nos amis internautes de comprendre plus bien ça qu'a décrit, ça qu'a dit, ça qu'a planifié sous nom peuple haïtien, mais en plus fois, décision n'est pas toujours collée avec situation qui gagne. Mais nous-mêmes, nous là, pour au moins permettre, comme avant-gardiste, pour permettre que la population veut comprendre tout complot qu'a marqué sous dole sans les pas comprendre, sans le patrouer, sans ensemble autorité. Par exemple, comprendre que niveau conscience, tu as dû faire appel pour au moins ta route de ce pays dans sa ville. Gagné pour plus petit 455 jeunes policiers qui étaient sortis dans la 33e promotion police nationale d'Haïti, et bien qui intégraient CIMO, ITAG, BLVV, BRI, BOIT, SWAT et Polyphon. Pour ne citer ça ou seulement, dans l'agent spécialisé, il y a environ une cinquantaine de femmes qui décidaient, malgré les vents et marées, pour venir servir le pays, pour venir aider la République sortir dans une situation difficile qu'elle trouvait, je ne veux dire. La cérémonie ici-là a été déroulée dans l'école nationale et police nationale d'Haïti, pardon, sous le frère. Elle a déroulé en présence du Premier ministre Gary Conille, président du Conseil et présidentiel de transition Edgar Leblanc-Fils, ministre de justice Carlos Ekil, avec divers autres monde qui fait partie gouvernement et sans compter l'autre monde qui est dans la société civile là. Edgar Leblanc-Fils, dans parole, lui déclarer débousser gang n'importe côté ou cacher la police à marcher contre eux, la police pour aller sous visage jeune policier si là qui a peine intégré ensemble corps et spécialisé en dedans la police en belle personne à travers divers chantés qui a chanté pour montrer que yo pas peur. Yo tout nèg cap en des corps, y a marché prend yo et nèg ça au criminel. Mais si c'est pour criminel, c'est au tableau puis criminel parce que yo prend formation pour ça. Monsieur Boyd yo renouvelé engagement que yo te gagné. Yo déclaré si ou ta man yo Green Boy, ou ap mêlé et yo annoncé si ou pas ka tuer, pas rentrer dans Boy parce que yo rive comprendre que cosa li gon mission spéciale, c'est pour permettre nèg cap semer des agréments surtout terroristes cap touyer moun, kidnapper moun dans pays ya. Eh bien monsieur Boyd yo déjà annoncé yo pral bay, monsieur Sayo, mon pièce yo, blesse personne. En pile moun a posé question, qui côté barbecue fait? Malgré le te annoncé, il a pral plongé dans le cimetière li, eh bien, barbecue semblait plonger dans le silence net par rapport avec ensemble opération que la police a mené dans Badelma, semble bagay yo, pas tourner bien, ou nom qui relè barbecue wa. Gen yon ensemble de rencontres qui continuent à dérouler en d'un pays à blesse personne. Ambassadeur, pays les États-Unis, et Denis Hankins te rencontré avec ministre Affaires étrangères PIA, Dominique Dibuy, pour discuter sur ça qui vient pour avec mission sécurité qui a bien pour entrer en dedans PIA, qui ça qui a café ensemble pour rendre que mission capable yon réussite, surtout dans le pays d'Haïti, bien qu'elle connaît. Souvenir avec question mission, yon pas jamais propre, yon pas jamais belle, yon toujours quitté en pile de gars. Au sortir tout à l'heure, yon délégation qui quitte le pays d'Haïti, qui sortit dans le commandement police nationale d'Haïti, qui pratiquement allait au Kenya pour discuter. Pour la boîte de Zivenes, par rapport avec ça, la petite a clairement manqué pour nous garder ça, par rapport avec ça fait ensemble de dispositions qui t'a pris pour un bon côté et autorité, désir, ou t'as pas avancé, vous dédi. Gary Conille qui t'a participé dans remise par chemin, ou bien certificat avec ensemble policier qui pratiquement intégré et corps et spécialisé qui est dans la police, lui fait quoi qu'il a préparé policier psychologiquement, elle parlait avec famille pour dire que c'est un sacrifice et yo pas pour continuer dans sacrifice qui a fait dans diverses opérations qui ont pral gagné pour mener en dedans pays à les personnes. France LB définitivement perdu job li les personnes parce que li échoué depuis lors tout le monde t'a constaté dans film qui t'a joué de faire bandi al bouler al pied Kaili pour démontrer que c'est lui-même li pas épargné des actes qui a fait dans pays a et bien monsieur pratiquement li perdu job li département la Tibonite bagala pa extrêmement difficile femme actifi et grand monde ta petit garçon petit a servi gang yo parce que situation paraît très difficile de ces gang yo qui dirigeait yo fait ça ou vle ak ça hôpital côté diverses organisations a prévu voyou pour demander justice pour ça monde qui victime dans département la Tibonite recommandation moun yo dans département la Tibonite yo mandé pour chaque cadet retourner et un bon quantité dans policier si là yo qui pratiquement dans unité spécialisée yo dans 400 au moins, vine dans le département de la Tibonite pour venir déraciner ensemble gang, cap bay problème, yo blesse personne. Deuxième, c'est que ensemble de points, ça, ok, nous pral fait débat sur yo, nous pral analyser en profondeur et pour nous permettre que avec chaque grain zami, capable, comprendre sa gela comme information et comment que situation gela en de pays. Est-ce que qu'il y a des actions qu'a posé? Est-ce que je dis à capable prendre ensemble de promesses? Bien que, nous qu'a dit que José Mérilien, monsieur déjà présenté un ensemble de faux pas.
que PM Kony déjà fait. Monsieur dit d'abord, PM Kony fait, il n'a pas faut pas qu'il fait. Et là que descend dans la ville avec Francis Elbeyan, l'ité al montre al gafoni j'ai regardé que paysan et al regardé comment que m'ont dit crasé en bas la ville là, mais monsieur dit que c'est comme quoi que c'est les garicon ité descend en bas, mais mettre bandio déjà les bandio pour dire que bandio pas tirer non parce que et amis nous frères nous venir en bas. Bon ça c'est ça qui dit pour côté Jésus mérite parce que il dit que comment que il pas comprendre les que conseil t'a installé dans palais prêté serment dans palais national c'est en bas coup de balque ou même il descend à prêter serment alors que Gaïko ni pral visiter en bas Lino Chablendi l'option est tout en bas pas même cartouche qui prêter même je dis là ça montre que à clair que hey c'est pas on faut pas qu'il taille c'est pas ta arrangement que Gaïko ni a fait avec Andy Negam ça c'est parole Jésus mérite. En même temps, on a dit, monsieur dit que l'autre faut pas que Gaïko n'y fait, c'est le fait que l'y décidé nommer propre avocat, qui c'est M. Carlos Hercule, comme ministre de justice. Ça, c'est parole, Josué Mérilien. Il dit, eh, non, dans normal. Pendant que Koni dit que l'apkembe ministère régalien, et il décide de nommer, on est qui c'est avocat comme ministre de justice. Ça veut dire là, c'est déjà contrôle ça que lui-même dit tout gagne en bas même. Et les avancées de l'autre, il faut pas encore. Et bon, c'est que dans reste émission, hein, ou dis-moi ce que dans mitte émission, hein, nous revenons avec ça qui dit bon côté Josué Mérilien et ça qui dit bon côté un ensemble d'acteurs parce que Rosemont Jean, monsieur Dépati à PM Kony et avocat Guy Philippe, mais lui cher Jean-Joseph, monsieur a déposé en plein journée jeudi là contre PM Gaïko Kony dans niveau de la justice journée mercredi 19 juin concernant les usurpations de titres selon ça qui dit mon côté mais lui cher Jean-Joseph nous prêt venir avec ensemble de déclarations ça yo nous prêt analyser yo nous prêt garder yo pendant cet temps prêt venir avec Edgar Leblanc fils dans graduation 454 policiers mais qui prêt faire partie différentes unités spécialisées Boyd Simo et Bri et soit team qui pral contre carré action bandio nan jou ka venir la yo zami internaute. Nous pral venir avec déclaration Edgar Leblanc fils dans occasion cérémonie graduation nouveau policier ça préfère partie ça relé unité et spécialisée. Entendez Edgar Leblanc fils et après ça n'a pral PM Gaïko Kony. M'en venir avec avec Edgar Leblanc fils et Désir Venesse et ça pour venir ensemble avec PM Gaïko Kony les mêmes tout qui les visiter car il peut pendant même journée qui c'était mardi 18 juin. Je vous en remercie. Au nom des récipiendaires, au nom du peuple haïtien, au nom du conseil présidentiel de transition et en mon nom propre, je dis à nos récipiendaires bon travail, succès, continue. Si vous êtes gang, caché, pas caché, la police a marché sur vous. Moi, j'ai eu l'occasion de prendre la parole matin comme président du Conseil présidentiel transition dans la cérémonie pour remettre 455 nouveaux policiers, certificat graduation comme agent PNH qui va rentrer dans l'unité et spécialiser la police. Là. C'est avec quel content m'a salué déploiement bataillon jeunes garçons et jeunes femmes Sayo qui sont prêts. Bonjour formation, nous avons fait combattre gang pour libérer pays de mauvais pichons saillot, qui a fait population mal vivre, et spécialement dans la zone capitale là et quelques villes en province, notamment dans la zone Latibonite. Cérémonie ça a pour moi deux grosses significations. Tout d'abord, il traduit volonté nouveau gradué saillot pour combattre jouk dans bout. Gang exam yo tout côté oui. C'est mission ça même. Conseil présidentiel transition en bay tête li. Déraciner insécurité dans pays a. Association malfaiteur sa yo qui pensait yo ka détruire nation par 6. Yo pa gagné aucune chance. Y a joine bouchon yo. N'a tout profité applaudi chaque grain policier. Pam kou garçon. Qui aide pays à bataille contre malfaite. Conseil présidentiel là, la tête collée avec gouvernement, a metté toute unité spécialisée dans la police là, la condition matérielle, psychologique,
pour yo combattre gang yo, démanteler yo et puis permettre tout le monde dans tout quartier capable de circuler libre et libre dans tout pays. Ça veut dire l'État a prend bon gens disposition pour ça, ni dans budget pali, ni dans cadre coopération avec pays étrangers qui décide accompagner Haïti dans un moment difficile à traverser depuis un bon bout de temps, et spécialement depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021. Cérémonie matin 18 juin, présenté tout, un signal clair dans la détermination du Conseil présidentiel transition pour créer conditions réelles qui pour permettre toute phase de l'organisation bon qualité élection rivée déroulée comme ça doit. Réaliser élection libre, honnête, sans force côté dans finissement année 2025. Là. C'est deuxième élément dans gros engagement Conseil présidentiel transition en gagnant pour le respecter après rétablir sécurité dans tout pays. Là. Réalisation bon élection avec résultat qui est acceptable pour tout participant, yo, c'est garantie pour stabilité politique, économique et sociale établie net allez, et puis permettre institutions démocratiques de fonctionner pour bien-être général toute population haïtienne. Mesdames, Messieurs, voyons jeunes policiers qui ont gradué matin, nous engageons volontairement